Aujourd'hui, dans plusieurs églises, nous avons constaté, surtout dans le milieu évangélique africain, lorsque un homme ouvre une église boutique, voilà, pour se crédibiliser, ce dernier invite un autre pasteur qui est connu, un ancien, pour des programmes, pour être crédible aux yeux de la population, ou bien aux yeux de ses fidèles, ou aux yeux de la corporation des serviteurs de Dieu. Voilà. Au vu de tout ce qui est en train de se passer, de toutes ces anomalies, ce dysfonctionnement, je pourrais dire, qu'est-ce qui se passe exactement dans votre milieu? Et moi, je voudrais que vous regardiez droit dans les yeux des téléspectateurs de TV comme ainsi, pour dire la vérité, rien que la vérité, voilà, pour pouvoir aider le peuple de Dieu, pour pouvoir aider les chrétiens évangéliques qui sont en train d'aller à la perdition. Parce qu'aujourd'hui, on ne se fixe plus sur la parole de Dieu, on ne marche plus selon la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on est plus fixé sur les miracles, sur les prophéties, et des prophéties qui ne se réalisent jamais. Bonjour encore, mes amis internautes. Voilà, je suis avec le maître. Il n'est plus à présenter, c'est Honorat Didier. Toute la Côte d'Ivoire le connaît maintenant, toute l'Afrique aussi, maintenant ça part maintenant sur le Canada, les États-Unis, on sait qu'il fait un travail formidable. C'est quelqu'un qui veut vraiment, il est vraiment spécialisé dans l'audiovisuel. Et nous le saluons, Maître Honorat. Que Dieu vous bénisse et tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, je sais qu'un jour, la récompense sera très grande. Merci pour la deuxième question. La deuxième question, je vais la répondre. Aujourd'hui, je vais dire aux internautes que il y a certains pasteurs aujourd'hui qui invitent les gens à plusieurs raisons. Certains invitent d'autres pasteurs parce qu'ils sont plus crédibles sur le terrain. D'autres invitent d'autres pour pouvoir faire sortir l'argent de l'église. Bien-aimés, inviter des hommes de Dieu pour venir faire avancer l'œuvre de Dieu. Et je vais parler aux hommes de Dieu qu'on invite. Comment toi, un pasteur, tu ne connais pas l'histoire de quelqu'un. Dieu ne te dirige une personne. Tu t'élèves comme on t'a invité et comme c'est Paris, tu viens à Paris et tu vas prêcher chez lui parce qu'il a une grande église. Bien-aimé, je vous dis, il y a des gens qui sont plus crédibles sur le terrain. Il y a des gens qui ont un très, très mauvais témoignage. Et ça, à l'extérieur aujourd'hui, ils vont chercher des icônes de l'évangile, des papas à qui nous, on croit. Et ces papas-là viennent gaillardement s'asseoir dans ces églises comme Maître Honorat a dit, boutique. Des églises bizarres. Moi, je dis bizarre, je suis responsable de mes propos. Parce que le retour qui nous vient de ces églises, ce n'est pas des bons retours. Donc, nous insistons, nous disons les choses par leur nom. Nous disons les choses telles qu'elles sont. Moi, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Je ne suis pas parfait, mais on parle du retour. Bien-aimé, un père ne peut pas s'élever, venir dans une église d'un jeune qu'il ne connaît même pas. Ce n'est pas toi qui l'a consacré, ce n'est pas toi qui l'a engendré dans le ministère. Comme il a de l'argent, et ces doyens-là s'élèvent. Pourquoi aujourd'hui les jeunes ne se fient plus aux doyens? Mais c'est à cause de ces gens de comportement-là. Il n'y a plus de repères dans l'évangile. Quand je vois certains pères s'asseoir dans d'autres milieux, en train de tenir des propos sur les réseaux sociaux vis-à-vis de certains hommes de Dieu qui sont plus cultivés, mais où va l'évangile? On n'a plus de repères. Et on trouve que les jeunes sont orgueilleux. On trouve que les jeunes ne se soumettent pas aux vieux. Mais vous, les vieux, vous-même là, soyez des modèles. Soyez des exemples. Vous-même là, vous n'êtes pas des modèles. Parce que le fait de venir dans certains endroits à cause d'argent, nous, on ne peut pas se fier à vous. Comment toi, un homme de Dieu, tu ne connais pas son histoire, tu ne sais pas comment il a fait pour se convertir, comment il a fait son ministère, tu quittes là-bas, tu viens le consacrer à Paris. Ou bien il se déplace, il vient te voir en Côte d'Ivoire, bien dans un autre pays, tu vas le consacrer. Ce n'est pas faisable. Quand Samuel allait consacrer David, là, c'est Dieu qui lui a dit. Et c'est vous. C'est Dieu qui vous dit d'aller consacrer ces faux pasteurs, ces menteurs, ces escrocs-là. Ce n'est pas Dieu qui vous dit, mais c'est l'argent. Aujourd'hui, on vous tient par l'argent. Mais papa, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, l'argent, le monde ne se limite pas sur l'argent. L'argent, c'est quoi? On sait qu'on a besoin d'argent, mais vous n'allez pas brader vos crédibilités pour l'argent. Vous n'allez pas brader vos connaissances pour l'argent. Vous consacrez des féticheurs, des marabouts, et vous les appelez prophètes. Bien-aimés, ressaisissez-vous. Et je profite de l'occasion aussi pour dire à ces pasteurs-là, à ces faux pasteurs, ceux qui font pleurer les familles.
retourner au pays ou bien allez-y faire la sécurité. Vous allez vous faire de l'argent. Parce que ce que vous faites à Paris est grave. Donc moi, je profite de cette antenne pour vraiment saluer tout le corps pastoral. Continuons de dénoncer ça. Parce que celui qui ne dénonce pas, c'est qu'il est pauvre. Moi, je ne dénonce pas parce que je suis fort ou bien j'ai une grande église. Mais je dénonce parce que ce qu'ils font n'est pas normal. Je dénonce parce que ce qu'ils font n'est pas biblique. Moi, je vous dis toujours, je crois à l'action prophétique, je suis prophète. Il y a des gens qui m'ont souvent donné de grosses sommes d'argent pour certaines choses qu'ils ont vues. Quand les gens viennent vous dire, donne telle somme, tu auras telle somme, mais c'est du mensonge. L'une des actions prophétiques que Jésus a posées dans son ministère, laissez-moi vous dire, c'est la multiplication des pains. La Bible dit, il a demandé, si quelqu'un a du pain pour nourrir 5000 personnes, bien-aimés, quand ils ont envoyé les deux pains et quelques poissons, il dit, il a rendu grâce. Et ça, c'est... Vous, on vous donne cet argent-là. Les pauvres dames vont s'endetter pour vous donner, mais ça appauvrit. Quand on donne, Dieu donne après. La Bible dit, donnez, il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Mais vous demandez aux gens de donner pour aller construire des maisons à Abidjan, pour aller construire pour aller assurer vos retraites. Mais je vous dis, vous n'êtes même pas sûr de dormir dans ces maisons-là parce que vous allez mourir avant. Parce que ce n'est pas de l'argent gagné à la sueur de vos fronts, mais c'est de l'escroquerie. Les gens cotisent de l'argent pour faire certaines choses. Dans les églises, vous prenez cet argent-là, vous mettez ça à votre guise. Mais je vais vous interpeller aujourd'hui, ça va vous rattraper. Moi, je ne sais pas le fait qu'on bénisse les pasteurs. Je crois en la dîme, je crois aux offrandes. Non, mais c'est un homme de Dieu. Mais faisons les choses justes. N'allons pas dans les familles pour les faire pleurer. N'imposons pas les sommes aux gens. C'est Dieu qui touche le cœur de quelqu'un et la personne est bénie. Comment vous faites venir des pasteurs dans vos églises pour arnaquer le peuple? Vous les faites venir d'Afrique pour arnaquer le peuple, pour voler le peuple. Je vous encourage à arrêter ça. Papa, arrêtez ça. Vous, nos dévanciers, arrêtez de vous comporter comme des délinquants. Je vous dis aujourd'hui, arrêtez vos ventes. Là, c'est bientôt les fêtes, là. Comme vos femmes doivent s'habiller, vos femmes doivent porter des habits chers. Vous mettez vos mains, vos habits, vos mains n'arrivent pas. Vous êtes obligé de venir escroquer les gens à Paris pour aller habiller vos enfants, vos femmes. Si vous n'avez rien à faire, restez là-bas. L'espoir avec Dieu saisisse. Que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse toute la France. Parce que je suis en France présentement. Et cette belle télé TV comme si, que Dieu vous bénisse.